Là, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog assez particulier en compagnie de YouTunes. Bonjour YouTunes. Bonjour. Enfin, clap, bonjour, tout ça. C'est à ça de la catastrophe. Mesdames et messieurs, cette vidéo a un concept extrêmement simple. Nous allons composer une chanson et tourner le clip de cette chanson en moins de 24 heures. En moins de 24 heures? Quelle heure il est? On m'appelle. Donc là, ça va être un vlog extrêmement moche. On peut aussi apercevoir l'arrière du décor de mon studio avec Natacha qui est là. Qui est particulièrement gênante. Mesdames et messieurs, on est sur quel logiciel? Nous sommes sur Logic Pro X pour ceux qui demandent à chaque fois. C'est parti pour un vlog composition et tournage d'un clip en 24 heures. Il est 11h52 du matin. Ça ne se dit pas. On va annoncer à Jordan YouTunes une petite nouvelle. J'ai réservé une petite surprise à YouTunes. C'est que demain, en fait, on va interpréter cette chanson. Attends. On va interpréter cette chanson sur scène. Mais tu déconnes? Non. J'ai réservé une scène où vous, les abonnés, vous êtes conviés. Tu rigoles. Et on va l'interpréter tranquillement. Mais tu rigoles. Mais il n'y a pas beaucoup de place dans la salle. Il y en a 4000. Quoi? T'es sérieux? Peut-être que sans faire exprès, j'ai loué un Zénith. Non. Ah là, ça va trop loin. C'est impossible. T'as pas loué un Zénith, c'est pas possible. Ah? T'as pas loué un Zénith, c'est pas possible. Tu verras demain. Bon alors, un tout petit peu de pression comme ça. Demain, on va jouer dans un Zénith. C'est pas toute la surprise. Il y a une autre surprise aussi. Déjà, si on est juste sur ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Allez, c'est parti, on se met la pression. On est parti pour 24 heures de travail. Et ensuite, on va jouer la chanson dans un putain de gros Zénith. Et c'est plus que la pression là, du coup. Oui. J'ai quelque chose d'original. Quelque chose là, c'est des notes, hein. Cette mélodie est cool. Tu penses? Écoute, on se la garde de côté, on en essaye si d'autres. Si tu veux, on va l'explorer. Ok, vas-y. C'était pas très dans les temps, c'était bien de la merde quand même. C'est pas moi qui ai fait ça. Non mais la petite variation était pas mal. Jordan, dis-nous, qu'est-ce qui fait une bonne musique commerciale? Une bonne musique commerciale, c'est simple. Pas trop d'instruments, une mélodie simple. Et une bonne dose de fun. Et une bonne dose de fun. Écoute, après ça dépend sur quel style on part. On peut partir sur plus lent. Vas-y. Tranquille, comme ça. Je t'écoute. J'ai mis des miniatures, budaclic toute ma vie. Passe à la basse, mesdames et messieurs. On a le temps d'explorer, on a le temps de partir sur autre chose. Tout à fait. On a le temps de s'exciter un peu artistiquement. Tout à fait. On va s'exciter artistiquement. Uniquement artistiquement. Après, on peut faire aussi autre chose. Non. Concernant la structure du morceau, on vient de se dire qu'on allait faire un break, donc une sorte de pause, dans laquelle on va faire un passage triste au piano. Parce qu'il faut aussi parler de... On est joyeux, on est bien, mais... Il y a des moments tristes dans la vie. Donc on va en parler dans ce break. On est en train de faire une musique commerciale. Qu'est-ce qui fait une bonne musique commerciale, tu m'as dit tout à l'heure? Plus on va rajouter d'éléments, plus on va rajouter de variations dans la mélodie, ouais. Plus ça va être compliqué à retenir et donc moins ça va sonner commercial. Donc la basse qui est très simple, on l'écoute vite fait. Un genre ça serait nul, ça dégraderait le... Bah si tu mets du rythme mais juste avec ces trois notes là, ouais. Ça va le faire. Plus tu vas rajouter derrière l'instrument, plus pour les oreilles ça va être compliqué. Ok. Non, moi je veux vendre. Et je suis putaclic aussi dans la musique. Écoute, on est là pour mettre des flèches rouges sur notre chanson. Très bien. Donc c'est la musique putaclic. D'ailleurs ça s'appelle ça le thème de notre chanson, putain. Bah carrément. Puis on explique comment on l'a fait, enfin genre... Pour que tu la retiennes bien. Ok, alors on va partir sur la chanson putaclic, donc extrêmement simple à réaliser pour vendre facilement. On peut caser des petits trèfles à Christophe. Christophe Maé, c'est quand même le maître du... Non. Voilà. Belle demoiselle. Les gars, il a inventé 4 accords. Et si on reprenait ces 4 accords? Non, ce serait trop. J'ai quand même envie d'avoir de l'originalité dans la... Dans la simplicité. Attention, l'originalité, c'est comme une petite recette de cuisine. On te donne par exemple un poulet... un poulet au four. Poulet de Louis. Un poulet label rouge au four. Mais sur ce poulet, oui. Tout le monde a le même en France. Tout le monde a un poulet. Toi déjà, il est label rouge. Ouais, il est un peu mieux quand même déjà. Nous, on est le label rouge. Ouais. Le poulet, c'est la musique. D'accord. Par-dessus. Ouais. Il y en a qui le laissent nature. Ouais. Alors, c'est bon, mais ça manque de... Vraiment. Et nous, si on rajoute un peu de paprika. Et si on rajoute un tout petit peu de piment d'Espelette, mais très légèrement. Ouais. Histoire que ça pique, mais pas trop. Est-ce que quelqu'un va dire, oh, mais j'ai mangé le même poulet chez l'autre personne? Non, c'est vrai, personne dira ça. Donc le poulet reste Christophe Maé, mais on rajoute un peu de paprika. Ce serait l'idée. Ça m'intéresse. On continue. On peut la faire un peu à la rythmique de Get Lucky, tu vois, genre un truc genre... Oui, par contre, on peut tricher. On enregistre ça. Fais-les en accord plaqué tout simple. D'accord. Et en fait, on va juste en changer un et ce sera plus Daft Punk. C'est scandaleux. Musique commerciale. Ouais, vous avez copié Daft Punk. Non. Comment ça, on a copié Daft Punk? Quand il y aura un procès, vous pourrez ressortir cette vidéo. En fait, c'est ça qui fait extrêmement Daft Punk. C'est ses trois premiers. Parce D'accord. que lui encore, il gêne pas trop. Mais D'accord. lui... Filme ce que tu fais, c'est très intéressant. En fait, voilà. On a ça. C'est la montée qui est très Daft Punk. Ouais, c'est ça. Et si je la change... Genre
genre là t'es en train de descendre l'accord. Refais ce que t'as fait. Il faut que j'en fasse. Regarde l'accord. Il prend l'ascenseur. Eh bonjour, j'aimerais aller au troisième. Ok. Cette vanne. Elle est très très bien. Elle est très bien. Et là on est plus au Daft Punk. Là ça y est, on a plus copié. Plus de Daft Punk. Incredible, man! This is amazing! Le refrain, ce sera sur le même truc. Le couplet, refrain, c'est plus ou moins sur la même chose. Alors, ça va être notre base, on va dire. Il y aura pas tout ça dès le départ, mais d'accord. Ça va être monté, machin, tout, tu vois, avec un petit filtre, un truc. Est-ce que j'ai épaté par cet homme? J'ai un secret qu'utilisent des beatmakers. C'est pas vraiment un secret, mais c'est un énorme conseil pour faire du commercial. Par exemple, là, quand on a ça. Mais juste là-dessus, tu le laisses en boucle, en boucle, en boucle. Tu commences à chanter du yaourt en fait, faut t'enregistrer. D'accord. Et les premières choses qui viennent en général, ça va nous donner une sorte de mélodie. D'accord. Et cette mélodie-là, on la refait au lieu de la chanter avec un synthé. D'accord. T'es mélodie qui reste dans la tête. Parce que si elle est restée dans ta tête, elle reste dans la tête des autres. D'accord, putain. On va être riche. Ah non, mais c'est bon, je vais t'assurer la partie triste. Hein. C'est un peu l'over nul quoi. Ah oui, mais ça passe très bien justement. Donc ça serait pour le break. Ouais, ça pour le break on peut le garder. Amixem, oui. On va faire de l'analogique. On va avoir quelque chose qui vient d'Amixem. Oh. Est-ce que tu sais claquer les doigts? Ouais. Est-ce que tu peux en faire un snap? Avec grand plaisir. Vraiment. Alors je viens d'enregistrer donc le petit snap comme ça. Ça c'est moi, hein. Rien qu'avec mes doigts. Alors comment il est ton snap? Je vais vous demander à toutes et à tous de snapper les doigts. Allez. Et je rappelle que mon snap c'est Amixem snap. Allez, on snap des doigts. Pour le début? Ouais. Là c'est dur. On a été mangé et tu as un petit peu travaillé pendant que je faisais caca. Légèrement. Donc là on a ce qu'on appelle une intro qui peut être sympa. Waouh. Waouh. Ample. Grand. Ouais, c'est ample. C'est grand. Ouh. Ça, mon avis, acoustiquement parlant, ça passe très bien dans un Zénith. Excellent. Et on se retrouve aujourd'hui sur Skyrock, on reçoit Jean-Michel, 54 ans, il confectionne des tabourets en peau de daim dans le Vercors. Alors, c'est pas vraiment du daim, c'est un mélange de daim et de gnou. On a les deux parce qu'en fait on a fait une fusion. D'accord. Quelle est la différence entre un full daim quelque part? C'est tout. Pour l'instant, on avance très bien. Enfin, il avance très bien parce que moi je fais que dire oui, non, plus, moins, jaune. C'est comme ça que ça se passe. Dans un studio, c'est comme ça que ça se passe. Il y a le beatmaker et moi je suis qui? T'es le maker. Il y a le beat, t'es le maker. Toi t'es la beat, ok. Merci. Il manque des instruments du coup. Donc on va rajouter des instruments qui vont jouer le tin tin tin. Donc okay. Trompette. J'en ai une. Est-ce que tu sauras jouer le tu tu tu? On va tenter. Tu me demandes. Moi, enfin, j'ai toujours voulu qu'il y ait un petit peu d'acoustique dans notre morceau. L'acoustique. On a le micro pour, on a juste ce qu'il faut. Ça va être là. Attends, juste sur te sentir mec. J'ai presque la dernière note. Et la note tenue, ça, c'est excellent. Non mais en vrai je l'avais là non? Ah non. Je l'avais pas du tout. Eh bien on va mettre évidemment de l'autotune. Parce que oui, l'autotune à la base on s'en sert sur les instruments et non pas sur les voix. C'est vrai? Ouais. Ça c'est en fait la courbe de ce que j'ai joué à la trompette et du coup il modifie les notes avec le petit clavier qui est à gauche, il voit exactement sur quelle note ça tombe et il peut reproduire la note parfaite. On est sur un délire. On peut garder celle-là? Non. On a bien rigolé, on a passé un bon moment, tout le monde a bien rigolé. Tu le veux pas? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça mec? On ajoute un petit riff de guitare peut-être? Ça c'est excellent. Tu peux jouer de la guitare sans guitare, mais totalement quoi. C'est ça. C'est abusé. C'est incroyable ce logiciel. Vas-y, essaie de caler pour moi un petit peu comme ça, que ça. Ah non! Oh, c'est lourd! C'est lourd de ouf! 1, 2, 3, 4! Pas mal. C'est incroyable. Juste pour la transition break, du coup, ça pourrait le faire avec cette montée là. C'est-à-dire que la montée pourrait directement passer sur un truc. Donc en fait, on pourrait faire ça tout de suite du morceau. D'abord, ça part en couille. Ensuite, on revient sur ça. Et ensuite, break. Moi, ce que je vois, c'est intro. Oui. Premier couplet. Oui. Refrain. Oui. Break. Triste. Oui. Couplet 2. Oui. Refrain. Oui. Terminaison. On a des arpes. Des arpégiateurs. Ouais. Oh, c'est non. Bon. C'est marrant, depuis qu'on a pris de la coke, j'ai pas l'impression d'entendre les mêmes instruments. Le délire. On va oublier ça. Il nous faut le refrain. Comment fait-on un bon refrain? Personne n'a jamais su. Le refrain, c'est une explosion. C'est comme une éjaculation. Ah. T'as la montée, il faut faire monter les instruments et tout. Et puis là, c'est le refrain, c'est là où t'as tous les instruments. Donc c'est là où t'as le plus de... C'est la complexité, on est d'accord, là c'est bon. Voilà, là on peut mettre un peu de complexité. D'accord. Pour dire, ah, c'est là qu'il y a le refrain. On peut partir sur le petit piano qu'on avait tout à l'heure, qui était assez cool. Tu vois. Celui-là,
il est assez sale quoi. On peut faire un truc à la Avicii. Cet homme joue du piano en décalant des touches sur un logiciel. Et ça, je trouve ça beau. Et des fois, les gens me disent oh putain, ce serait trop cool que tu sois chez moi, tu pourrais composer des trucs. Oui, bien sûr. Avicii, bien sûr. On serait pas en train de tenir un petit refrain un peu dance floor. Un peu dance floor. On l'écoute ? Ok. Ok. Pour nous faire comprendre que c'est le refrain, nous avons ajouté, n'est-ce pas, quelques rythmiques. Tu vois, la guitare, elle donne un petit peu ce côté roots. Ce côté roots, ce côté campagne, ce côté pop aussi. Ce côté Angers. Voilà ce que je pense tout de suite. Les gens qui vont voir le clip sans avoir vu toute cette démarche artistique incroyable, en mode on est des gros vendus, on est des gros commerciaux, on fait une chanson putaclic. Mm-hmm. Ceux qui n'ont pas ce contexte de making of, ils vont mal le prendre. La danse électro, tu vois, ils vont se dire merde, le con, qu'est-ce qu'il a fait comme musique de merde. Et si on abandonnait cette histoire de commercial, enfin pas de commercial mais d'électro, tout ça, et qu'on partait sur la petite guitare ici qui va venir rejoindre la partie refrain. Très bien, très bien. Et ici nous allons rajouter une batterie. Classique. Mmh, exprime-toi, continue, exprime-toi. Pumchak, Indochine, ouais, vas-y, on connaît. On va aller chercher un kit de batterie, ouais, n'est-ce pas, un batterie, ouais. Battery, parce que mon Mac est en anglais, vous savez, je suis un peu bilingue sur les bords. Tous ensemble, on va faire un truc très simple, les amis. C'est vraiment genre le break pour faire de chanter public. Allez, potes, je dis un, vous dites deux, et un, deux, un, deux. Okay. Maxime, est-ce que ça te dirait de. On va incruster un petit élément, un petit synthé en D'accord. plus, mais j'aimerais que ce soit ta voix. Ah. Ah, oh, oh, et U. Ah, le U est pas mal. T'as dit. C'est moi ça? Ouais. C'est moi, hein, je me reconnais. Faudel. Faudel malade. Mon pays, il est joli. La lettre après le T, c'est le I. Eh, regarde, tu vois cet objet qui est sur mon bureau? C'est pas un ni clou ni vis patex. En réalité, c'est une boîte à meufs. Donc ça, en fait, on va juste mettre des petits à-coups. Les samples à partir de merde comme ça. Genre... Non, mais tu vas voir, ça va tellement bien passer. Et là on part sur le refrain. Ce son ne te convient pas. T'as pas qu'une, c'est pas grave, j'ai plein de moyens en stock. Donc là on a un A cette fois. C'est un solo de A. Mec, je veux dire, avec le contexte de ce qu'on est en train de faire, c'est exceptionnel en fait. Je suis partagé parce que les gens qui vont voir cette vidéo, ils vont comprendre le délire de ce qu'on va tourner demain. Et les gens dans le public demain, ils vont comprendre, ils vont pas, je sais pas. Mais c'est très bien, vas-y, on laisse comme ça, c'est bon. Et sinon, on va dire, on va partir du principe que tout le monde verra cette vidéo sur ma chaîne. On peut laisser comme ça. Pas trop, c'est un A, c'est une voix un peu. Tu sais que c'est pas la lettre qui me gêne, hein, c'est le. Ah, c'est clairement vraiment le son, quoi, la sonorité. Ouais. Non, mais si ça te choque pas. On est sur un abandon. Tous ensemble, la 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 la. Ah, tu as trouvé une mélodie catchy. Les gens l'ont dans la tête. J'étais formé à bonne école, dans ton école, et tu m'as dit si on rajoute trop de trucs, les gens s'y perdent. Et bah c'est marrant, mais je m'y suis perdu, Jordan. Ça arrive au meilleur. C'est vraiment trop bon, vraiment trop mélodieux, et du coup on se dit putain, ça manque de. Et c'est excellent, quoi. Mais les gens n'aiment pas. Ça manque de vraiment de bonne grosse merde. C'est un peu comme si, je sais pas, tu lançais une chaîne YouTube sur un truc intéressant. C'est stupide. Ça fait à quel moment ça marche? Un truc intelligent, tu vois, un truc scientifique. Moi je comprends pas les y penser, d'Eternal's Man. Ouais, non, je comprends pas ces chaînes. Ouais, je vais sur YouTube, j'apprends des trucs. Ça c'est relou. T'as vraiment une phrase de con. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'histoire? Bah les couilles. On vit dans le présent ou on vit dans le passé? YOLO. Ou pas, les gens s'intéressent aux vidéos Le Bon Coin, les gens s'intéressent aux pires playlists. Les pires playlists, les pires artistes, les pires chansons. Je comprends le succès de Jeremstar. Ça, évidemment. C'est mérité, évidemment. Putain, on aurait pu passer. C'est la chanson du putaclic. Putaclic. C'est la chanson du putaclic. Ça peut être énorme, hein. Parce que là, les gens le chantent, hein. Je suis sûr et certain. Est-ce qu'on n'établirait pas une sorte de lexique du putaclic avec flèche rouge, un spinner, boobs, et ça fait un espèce de refrain? Ou est-ce que ça, on garde pour le couplet, c'est plein de punchlines? Alors pour le coup, là, si on part sur le putaclic, c'est vraiment bridé YouTube. Ouais. Mais ça.
en plus une chanson sur le putaclic. Je suis quand même le mieux placé pour en parler. Dans le moment triste où on parlait, j'ai essayé de faire les putaclics, mais genre je suis pas arrivé en tendance et... Ouais, ouais, on peut raconter l'histoire d'un gars qui a essayé de faire une miniature mais il savait pas ça. Comment faire ou quoi. J'avais pourtant mis des hand spinners dans le titre. J'ai fait une drogue avec Kenny. Et pourtant ça n'a pas réussi. 3 weeks later. Tout le monde est sur le flex. Sur le flex, le flex. Excellent. Remets le son. Oh my god. Oh my god. Il se passe des choses incroyables ici. Cette chanson est géniale. Elle est parfaitement commerciale. C'est parti. La mer un peu. Les nuages. Les corbeaux. Les mouettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'était un prank. D'accord. La lourdeur de la chose! Oui! Donc maintenant on va s'arrêter 2 minutes. Est-ce qu'on se serait pas enflammé tout seul? Et que c'est de la merde. Et que c'est de la grosse merde. Je pense clairement pas. Mais moi non plus. Ok, faut que j'aille parler à mes abonnés. Par rapport à demain. D'accord. Moi j'ai pas le droit de savoir. Non, t'as pas le droit de savoir. D'accord. On se retrouve actuellement dans mes toilettes. Parce que y a YouTube à côté. Il faut que je vous parle d'un truc. En fait, effectivement, j'ai loué un Zénith. Sauf qu'en fait, YouTube, il pense qu'il va y avoir 4000 abonnés. Donc il a beaucoup de pression. En fait, c'est pas du tout vrai. Hein. Il y a juste le Zénith, il est totalement vide. Donc là, il a une énorme pression. Il pense que demain, il va se produire devant 4000 personnes. Alors qu'en vrai, la salle sera vide. Ça, il ne le sait pas. Il ne le sait pas du tout. Et ça, c'est très drôle. C'est bon, j'ai parlé à mes abonnés. Je leur ai dit toute la vérité. Ils savent maintenant. Moi je sais toujours pas, c'est génial. On va écrire les paroles. Je pense qu'il faudra peut-être commencer par un truc parlé qui explique le concept de la chanson. Je pense. Vu que toi tu fais de la musique, ça me paraît cool que ce soit toi qui chante là. C'est moi qui disais mais attends, je comprends pas. Et ensuite on fait l'inverse en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui chante parce que je t'explique comment on fait du putaclic sur YouTube. Et toi, ah excellent. On fait du putaclic. Ah bah oui, bah là c'est raccord. C'est raccord. Ah bon? Il faut faire quoi pour faire une bonne chanson putaclic? Il faut juste 4 accords, tu verras, c'est magique. D'accord, genre, t'es sûr que ça va se vendre? C'est pas un peu gros quand même? J'ai fait pas mal de disques. Ouais, alors t'en as fait un en 2002, mais c'était pas terrible. Façon commerciale, c'est pas de la physique quantique. Ouais, je le sens moyen. Eh, c'est pas mal. Ça rendait, je pense, pas trop mal les petites réponses. La conversation, finalement, hein, dans l'ensemble. Ah, c'est pas dégueu. Mesdames et messieurs, on a coupé un petit peu pour vraiment travailler, mais il se passe des choses incroyables actuellement. On est en train d'écrire les paroles, on a plutôt pas mal d'idées de vannes, et là on part sur une séquence où c'est un rap américain, mais faut que ça veuille rien dire pour que la vanne marche derrière. Là comme ça c'est vrai que tu vois ce que je veux dire, comme Tony Page et les Rings, ma main est bien trop de l'eau. Et les bras tellement longs que je me crois dans Space. Mesdames et messieurs, on va utiliser l'autotune, ce qui est bonjour, oui bonsoir, c'est un mixé mais YouTube. À la base je suis animateur radio et là on se retrouve tous ensemble de 22h à 23h. Alors c'est la libre antenne, vous nous appelez 0106 48 5000, vous nous laissez votre message et là on accueille Thibaut. Tu es d'où Thibaut? Je suis de la Meurthe-et-Moselle. C'est la première fois que je passe à la radio, j'aurais passé une grosse dédicace à la seconde 8. Jordan, Kylian, Kevin. Eh bah écoute Thibaut, on embrasse toute la Creuse, on te fait un gros bisou et puis bah tu repars avec le pack Fun Radio. Alors c'est... C'est la composé. Montre. La montre. Et on a Shana du standard qui nous appelle, qui nous dit qu'elle a un énorme cul. On se demande tous si c'est vrai ou pas. Mais je peux vous dire que je l'ai vu. Et elle a un sacré cul, la cochonne. N'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook, hein, y a toutes les vidéos, y a toutes les photos. Oh my excellent. God. Ok, une attention, on va passer à l'enregistrement du refrain. Y a même pas de parole. C'est juste putaclic x 1000. Putaclic. Putaclic, putaclic, c'est putaclic, putaclic, c'est la chanson, putaclic, c'est la chanson, putaclic, ouais, putaclic, putaclic. Yo, coming to the breast, to the east, to the house, to the base, to the wacko. Whoop, and the man is in the man of the west, oh.
Attends, t'as conscience que ça veut rien dire ce que tu chantes C'est bon, on l'a, c'est bon. C'est vrai. Mesdames et messieurs, c'est la dernière partie, on va faire le break, c'est-à-dire une petite pause pendant laquelle un personnage va intervenir dans la vidéo. Je m'appelle Quentin, sur YouTube, ma chaîne c'est Darkspinner21. J'ai tout essayé, même les no-fakes, les explications. Ouais, faut pleurer, tourne mal. Je m'appelle Quentin, sur YouTube, ma chaîne c'est Darkspinner21. J'ai tout essayé, les no-fakes, les explications. Mais ça tourne mal, j'ai même pranké ma famille. J'ai détouré ma tête avec un contourberant. J'ai fait un let's play Minecraft sur 512 épisodes. Maintenant je fais les vues et je vous baisse tous, putain. Allez, tu me l'as fait. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis en compagnie de YouTube. Bonjour. On est le lendemain de la création du son et on se dirige à l'amphithéâtre et nous allons interpréter notre son sur scène. Jordan, comment te sens-tu? Eh bien, je me sens un peu stressé. Alors, on vient d'arriver à la plus grande salle d'Angers. 4000 places, on est derrière le Zénith. Comment tu te sens? On va dire que je suis mitigé. Mitigé? Mitigé. Je suis très heureux et en même temps, j'ai un peu l'appréhension quand même. Bon, c'est pas comme si on chantait devant 3 personnes. Mais de toute façon, tu vas voir déjà notre réaction quand on va rentrer dans la salle. Juste de voir la voir vide, on va pas être bien. Mesdames et messieurs, on entre dans la salle. Petite réaction peut-être, regardez-le, il est là. Waouh. Excellent. Oh. Non, c'est ouf, mec. Mais c'est énorme, abusé. Bonjour. Vous êtes là? Je suis propriétaire. C'est lui qui nous loue la salle. Ah, c'est ça. Oui. Merci d'avoir répondu présent à la conférence Mojette et Saucisson. Vous êtes venus pas très nombreux, mais monsieur, les questions ce sera après par contre. Parce qu'on est nombreux. Non, mais moi je me suis trompé en fait. Vous étiez sur quelle conférence? C'était sur la dégustation saucisson. C'est juste après, c'est la salle d'à côté. Si vous voulez, je peux quand même, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oh là là, mais les gens sont un peu en retard, mais ça va se remplir. On a fait un live Facebook, ça devrait se remplir. Je reste alors. Si c'est intéressant, je reste. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo Making of. On écrit une chanson en 24 heures. Puisque je vais passer le relais de cette vidéo à monsieur. U-Tunes. Moi, Jordan, j'aurais pas fait une outro comme ça, mais après, attention. T'aurais pas fait ça? J'aurais plus fait comme ça. Voilà, et voilà, un backflip en BMX, t'sais. Mesdames et messieurs, on est le sur lendemain du tournage de la vidéo que vous venez de voir. J'espère que ça vous a plu. Le son, donc, issu de toute cette construction artistique incroyable, va sortir dans 24 heures à l'heure où cette vidéo est publiée, d'accord? Donc, elle va être publiée un vendredi. Donc, tu verras le son et le clip le samedi qui vient juste après. Si tu vois cette vidéo 2 ans, 3 ans après, ça n'a plus aucun sens ce que je raconte, d'accord? Donc, tu t'en bats les couilles complètement et tu as bien raison. Ce que je voulais juste te dire, c'est que pour les gens qui l'ont regardé à l'heure, sachez que le son et le clip sortiront dans 24 heures. Il a été composé, réalisé, tourné en 24 heures. C'est pour ça que ce sera de la merde. Voilà. Si quand vous l'écouterez, vous trouvez que le son est bien, c'est que vous êtes victime de commercialisation. Sachez que ça se soigne. Un efferalgan, une cuillère de miel. Vois avec ta grand-mère, il existe sûrement des solutions. Je vais quand même pas vous laisser là sans rien vous donner sous la dent pendant 24 heures. Je vous propose donc un petit teasing. C'est maintenant, c'est tout de suite. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve demain. Voilà, si tu veux l'écouter, sache qu'il sera disponible sur toutes les plateformes autres que YouTube si t'as la flemme de l'écouter sur YouTube. Je te fais des bisous, c'était Amixem. Over.